Salut à tous, Asphax, on se retrouve pour le cinquième épisode PVP sur Ark. Il va y avoir énormément de boulot, il y aura plusieurs épisodes là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que en partant de la base que l'on a déjà, c'est-à-dire totalement défendue, avec pas mal de forges, le broyeur, le gris industriel, le laboratoire de chimie, et un petit aigle que vous voyez au-dessus de moi qui est niveau 100 que j'ai capturé hier soir. Je veux pas prendre l'aigle des autres joueurs parce que si jamais il meurt par mégarde, tout ça, je m'en voudrais. Là, c'est moi qui ai tamé cet aigle-là, donc je vais essayer de le faire survivre, mais voilà, s'il meurt, ce serait un petit peu moins grave. Donc en partant de tout ça, on va farmer, mais alors énormément, et l'objectif, ça va être de construire une petite forteresse sur le volcan directement pour pouvoir choper plein de métal facilement et faire un maximum de défense. Donc ça va être très compliqué puisque le volcan, c'est pas droit, il va falloir faire plein de piliers, etc. Il va falloir s'arranger. Donc je vais essayer de faire ça va être mon objectif sur ce serveur. Et là, ça, je vais le faire tout seul. Enfin, je vais utiliser la base qu'on a fait tous ensemble, mais c'est vrai que c'est les autres qui ont énormément farmé dessus pour la faire tout ça parce que je suis pas toujours disponible. Là, au moins la base sur le volcan, ça va être vraiment mon œuvre. On va essayer de faire ça au fur et à mesure des épisodes. Ça devrait être très sympa. Donc je vous présente Zéro, mon aigle niveau 100, qui j'espère va survivre au moins dans cet épisode. Donc c'est parti. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai à ma disposition. Donc pour l'instant j'ai une armure. Faut que je répare juste mes pieds. Il y a du métal qui est en train de fondre. J'ai mes outils, épique pioche en métal et rare hache en métal. J'ai une rare lance en métal. J'ai toujours mon fusil d'assaut et mon fusil canon long pour pouvoir me défendre un petit peu. Donc là, on va faire tout début de la préparation. Je vais farmer à fond. Il va falloir faire que je fasse plein de forges, plein de piliers en métal, des toits en métal, la base en métal. Faire quelques petites tourelles parce qu'il va falloir que je ramène des tourelles directement pour être défendu. Et donc un générateur électrique aussi. Voilà un peu l'objectif. Donc c'est parti. Donc avant de commencer n'importe quelle autre farm, on va filer dans la montagne récupérer un maximum de métal. Alors est-ce que d'ailleurs il y a un ankylosaure de dispo ou est-ce que les gars les ont pris pour aller farmer? Là il y a des ankylosaures, ils sont quel level? 222, allez on va le prendre celui-là. Hop, parfait. Ah mince, j'ai pas pris le bon, quelle erreur. Voilà, hop. Mais non, mais c'est pas possible, mouton. J'ai dit ankylosaure. Voilà, parfait, très très bien. Donc là, cette fois-ci, j'ai ankylosaure. On va essayer de ramasser un maximum de métal dans la montagne. Et comme ça me permettra déjà, le temps que je farme les autres ressources, eh bien de... Et ben voilà, mince, j'ai du mal à finir ma phrase, mais de faire fondre le métal. Voilà, là maintenant je me permets vraiment de tout filmer. De toute façon, tout le monde sait où est ma base, hein. On l'a vu lors des deux épisodes précédents. On avait déjà vu le rayon vert, et la dernière fois, on a même vu le lit de réapparition. Donc voilà, ça c'est. Maintenant, voilà. Les gens savent où sont nos bases, mais déjà de base, les gens le savaient à peu près sur le serveur. Mais maintenant, c'est à nous de bien nous défendre pour pouvoir survivre. Ça fait un peu plus de challenge. Allez, c'est parti, on commence le farm du métal. J'ai mis l'ankylosaure directement sur une pierre. Allez, vas-y, hop. Elle a gagné un niveau, on va lui monter déjà. Ah, 5 niveaux. On va augmenter. Allez, à 500% quasiment. Là, il va être déjà très bien. Voilà, niveau poids. Bon, va vite falloir que je récupère ça avec l'aigle. Déjà, c'est pas mal. Allez, est-ce que là, il a la portée? Ouais, c'est bon, il prend le métal. Voilà, très très bien. Ok, pour l'instant je laisse la pierre sur lui, je pense que je vais la virer après. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est surtout le métal. Hop, c'est parti. Ouais, j'ai vraiment du mal à attraper les ankylos, moi. Allez! Ah, problème de clic. Ok, c'est bon, je l'ai, parfait. Donc ça, c'est de la bonne roche. Voilà. Parfait. Il est où le petit ankylo? Hop. J'arrive à l'atteindre là ou pas? Rapprochez-vous. Allez, je suis tout prêt. Je suis tout prêt. Je veux pas remonter sur mon aigle pour aller chercher mon ankylo. Bon, ok, on va faire un saut. Hop, voilà. Ok, 144, 186, très bien. Ensuite, on a les deux qui sont là-bas. Donc voilà, je ramasse tout plein de métal. Je vous montre après tout ce que j'ai. Voilà, je rentre à la base, je suis bien lourd, mais j'ai à peu près 1400 de métal, donc ça me fait 700 lingots quand tout sera fondu, c'est déjà pas mal. Sachant qu'il y en a déjà à peu près 400 qui étaient en train de fondre, donc ça me fait 200 lingots supplémentaires. Donc déjà, je pense qu'il y a de quoi commencer, en tout cas, la base ensuite sur la faire la forteresse sur le volcan. En tout cas, pour tout ce qui est métal. Pendant ce temps-là, il faut que je farme le reste. Alors, j'en profite parce qu'avant, je pouvais pas... Hop là, non, je peux toujours pas, en fait.
Je pensais que je pouvais aller récupérer le... Ah, l'ankylosaure, mince. Pas bon ça ce que je fais. Pas bon ce que je fais. Alors l'ankylosaure il a 5000 points de vie. Il faudrait que j'aille le récupérer, mais si je peux pas. Parce que la base a été raidée, donc je pensais qu'il n'y avait plus rien en fait. Mais il y a encore des Plantix. Après, s'il reste plus grand chose, il a 5000 points de vie, l'ankylosaure, ça se trouve, il va tanker et je vais pouvoir le récupérer. Qu'est-ce qui m'attaque maintenant? Tu crois que c'est le moment? Ok, on va voir. Alors, l'ankylo. Ah bah l'ankylo, il est là, attendez. Je peux peut-être le rechoper. Hop, allez, on s'en va. Non! Oh, décidément. Allez, allez, sinon, faut que j'aille vers le haut. Hop. Voilà. Ok, c'est bon, j'ai récupéré. En fait, je voulais prendre la note d'exploration. Mais pour l'instant, je peux pas parce qu'en fait, il reste des Plantix que j'avais pas vus. Donc, c'est pas grave. Voilà, retour à la base. Du coup, je vais pouvoir vider un petit à petit tout ce qu'il y a dans l'ankylosaure. On va juste, voilà, se mettre un peu plus loin. Ok, parfait. Alors, combien j'en ai en tout? 1, 2, 3, 4, 5, donc 1000, 1500. Donc c'est pas trop mal. Hop, je vais être plein et je vais remplir tout doucement toutes les forges. Voilà, pour l'instant, les 5 forges tournent à plein régime. Donc ça, c'est bien. On va pouvoir mettre... non, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, là, tchac, charbon, charbon, ça c'est bon. On va refaire un peu de poudre à canon, c'est parfait. Ah, pardon, je gêne, je vois bien, je gêne. Très très bien, ok. Donc j'ai récupéré déjà un petit peu de métal. Voilà, j'en ai pour l'instant 200. Donc structure, métal. Donc il va commencer, à mon avis, il va me falloir au moins 4 piliers. Vraiment, c'est le minimum. Et ensuite, pour l'instant, juste des... Je fais que des toits pour l'instant. Ça va permettre déjà d'aplanir un peu la zone où je veux vouloir faire la base. Donc on fait ça petit à petit. Voilà, ça c'est bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que ici, on va mettre un nouveau dossier. Voilà, Asphax. Et comme ça, je vais mettre tout ce que j'ai besoin pour ma base dedans. Donc, on aura besoin un peu de ciment. Forcément, on va en ramener, d'accord. On va ramener les 4 piliers, les deux plafonds. Ok, ça c'est bon. Des munitions, donc il va en falloir plein, mais pour ça il faut attendre que le métal fonde, nickel. Ok, donc là je vais pouvoir aller farmer pour faire un maximum de forges. Donc qu'est-ce qui va me manquer? Forge, il va me falloir de la peau, j'en ai plein, du silex on en a plein, il me faut surtout de la pierre et du bois. Ok, très bien. Pour la pierre, on prend caillou et on va se mettre à un endroit où il y a pas mal de rochers. Alors ça a déjà été pas mal farmé par Plouf. Alors voilà, tiens, ici cette zone-là, ça a l'air assez sympa. Voilà, Caillou va pouvoir s'amuser, très très bien, tac, hop. Alors, combien Caillou récupère-t-il de pierre? Ok, très bien, très beau tir Caillou, c'est vraiment très impressionnant ce que tu fais, très très bien. On va le mettre là, ok, on va lui augmenter encore ses dégâts. Voilà, 134 pierres, 265 pierres, ensuite il y en a un autre derrière... Voilà, on rajoute 135 pierres, c'est vraiment énorme hein, par rapport à ce que nous on collecte. Il récolte quand même beaucoup, beaucoup mieux. Parfait, voilà. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y en a un autre ici, si je tape. Non, un peu plus bas. Hop, 128. Voilà, déjà là, il y a moyen de faire, aller au moins, enfin, au minimum 4-5 forges, ce qui sera déjà pas mal, parce qu'au début, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de place dans la base. Il va falloir que j'agrandisse petit à petit, mais vu que je vais être à flanc de montagne, il va me falloir un maximum de métal avant que la base soit grande et assez plate. Ok, Caillou, viens avec moi. Je l'ai raté. Super. Allez, Caillou. Allez, allez. Hop, parfait. Voilà, alors pour le moment, je peux faire 4 forges apparemment, ce qui est déjà pas mal. Je pense que je vais rester à 4 forges pour le moment. Parce qu'après ça va être vraiment galère, enfin, il va falloir que je voie pour l'aménagement de la base, il va me falloir de la place. Il me faudra forcément un atelier aussi, ce sera plus pratique. Donc il va me manquer juste 5 lingots de métal, donc je vais prendre ça. Ah oui, il va me manquer d'autres choses, il va me manquer de la pierre. Bon bah ça tombe bien, il y en a plein sur Caillou. Bon, et par fainéantise, il n'y en a pas ici. Ah dommage, il va falloir que j'aille là-bas. Ou alors peut-être dans le labo. Non, ok, bon bah je vais reprendre sur Caillou. Ok, donc là j'ai les 4 forges, j'ai l'atelier, on va prendre de quoi se faire un générateur électrique pour les tourelles, je ferai une tourelle aussi. Donc c'est parti, il va falloir de l'électronique dans les volts.
Voilà, alors j'ai été fermer le psy parce qu'en fait on n'avait plus de polymère, donc c'est bon, j'ai mon générateur électrique. Au niveau de l'essence, il y en a plein, je vais pouvoir en refaire un petit peu dans les forges. Il y avait pas mal de pétrole, je sais plus où, on va trouver pioche. Oh, bah, donc il y a plein de choses qui ont été rajoutées, ok. Ouais, bon, en fait, on en a plein. Donc, je vais prendre hop, un stack de 100. Et puis, comme ça, c'est très bien. Voilà. Manger parce que j'ai un peu faim. Tac, 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 tac. Allumé. Avec ça, on sera bien. Je continue de remplir, en tout cas, les forges. Et là, je commence à avoir pas mal de métal. On va pouvoir refaire des trucs en plus. Structure, métal. On va continuer de refaire deux plafonds pour l'instant. Faut vite que je mange avant que je m'endorme. Allez, vas-y, chauffe-moi toutes ces viandes, là. J'ai faim. Voilà, parfait, merci. Hop. Voilà, ça c'est ok, très bien. Voilà, et maintenant, je vais pouvoir faire la première tourelle automatique de défense. Donc ça, c'est bon. Ensuite, de la poudre à canon, on va faire les balles, hein, forcément. J'ai pas assez de charbon. Oh, je dois y en avoir dans les forges. Je m'inquiète pas trop. Voilà, charbon, charbon, charbon. Ok, donc là déjà voilà, potentiellement j'ai mon générateur électrique, ma première tour de défense, et là j'ai déjà moyen de faire pas mal de balles, je pense, hein. Ça va être assez sympa, et puis j'ai encore beaucoup de métal qui est en train de fondre, donc c'est bien, franchement c'est pas mal, je devrais pas mal y arriver. Allez, on reprend tout ça, voilà, au niveau des structures on va refaire des toits supplémentaires, un peu structure, métal... ah ouais, toi, c'est 35 de lingots, c'est cher, hein. C'est très très cher. Ok, donc tourelle automatique, je prends. Donc ça, on va garder pour faire les balles, donc c'est bon, voyons voir, tac, parfait. Voilà, donc armes, munitions, pas fusil d'assaut, non. Où est-ce qu'ils sont ? Bah si, fusil d'assaut, c'est ça. Si, si, autant pour moi. Voilà, 66, ça me fait 120 balles pour le moment. Ok, bon écoutez, on va faire un premier aller-retour. Je vais prendre tout. Normalement, niveau poids, ça le fait, voilà. Donc il faudra surtout des piliers. J'ai refait des piliers supplémentaires. Les plafonds, voilà. Donc là, au début, il n'y a vraiment pas beaucoup de place, hein. On va vraiment y aller progressivement. Voilà, ok, c'est parti. Donc direction le volcan et on va commencer à poser. Et comme ça, je vais farmer le métal sur le volcan et quand je ferai des allers-retours à chaque fois, je vais avoir de plus en plus de métal. Voilà, on va essayer de construire ici. Donc ça va vraiment pas être le plus facile, mais voilà. Donc on va essayer de bien se mettre, genre là, lui ici, là à côté. Je pouvais peut-être quasiment même placer deux fondations, mais vu que j'en suis pas sûr, mieux vaut faire les piliers directement. Où est-ce que je vais me mettre exactement? Ça va être ça le plus dur, ça va être vraiment au début. Mettre les premières... ouais, par exemple, ici, ce serait pas mal. Vas-y, trouve-moi un point d'accroche. Tu veux pas? Si, c'est bon. Ok. Et ben genre, ici, tac, voilà, comme ça. Ok. Ça va vraiment être petit à petit, hein. Ok, donc là, on aura une base ici. Alors ensuite, est-ce que je peux en accrocher un à côté? Voilà, parfait. Ici, tu veux pas sur le côté ici? Hop. Alors attendez, faut qu'on y aille petit à petit. Là, voilà, ce serait bien, mais faut pas que je bouge. Mon aigle a tendance à bouger un peu. Hop, ok. Et ici, voilà, parfait. Donc ça... c'est le point d'arrivée de la base. Ok, vas-y, ferme bien tes ailes. Très très bien. Donc on va mettre directement pour l'instant des fours. Je vais les mettre là, là, ok, là et là. Ok, quitte à les déplacer un peu plus tard, c'est pas grave. Ensuite, faut que je remette des piliers. Sinon après, je vais pas pouvoir mettre des murs sur les côtés. Donc c'est parti. On va essayer, hop, de se reposer là. Parfait. Donc, genre ici, tu peux pas... Attends, avance un peu, mon petit aigle. Voilà, genre là, ce serait bien. Vas-y, parfait, tac. Voilà, est-ce qu'on considère que ça touche le sol? J'ai l'impression que oui. Ah non, ça touchait pas. Ok, maintenant oui. Ok, voilà. Donc ça, c'est le début de la base. Vu que je suis au volcan, j'en profite pour farmer un maximum de métal. Alors, hop. Voyons voir un peu ce qu'on nous propose ici.
Là, voilà, il y a des bons minerais, c'est parfait. Je vais récolter tout ça. Voilà, je ramène du métal. J'ai aussi fait un petit mortier. Comme ça, je vais pouvoir faire de la poudre à canon parce que pour l'instant, j'ai pas de bois pour pouvoir alimenter mes forges. Donc, c'est parti. Petite poudre à canon ici. Ok. Donc ça, voilà, ça fait pas tant que ça, mais déjà ça va allumer un peu les forges, ce sera pas mal. Voilà, 200, donc on va les séparer, on va mettre 100 dans chaque. Voilà, 100, 100. Donne-moi tout ça. Hop. Là j'ai déjà mis, d'accord. 100. Hop. Et 110 ici, voilà. C'est pas énorme, mais comme ça, quand je reviendrai ici, je vais avoir 200 lingots de métal en plus. C'est déjà pas mal. Quoique, j'ai vraiment pas beaucoup de poudre à canon, donc je sais pas si ça va suffire. On va mettre 15 ici. Hop. 15 par là. Bon, j'espère qu'entre-temps, personne ne va aller dans le volcan farmer parce que sinon il va voir les forges, il n'aura plus qu'à se servir. Ok, donc ça c'est bon. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse en fait, j'ai oublié des petits trucs, c'est tout ce qui est. Il va me falloir. Mince, comment ça s'appelle? Tiens, je vais poser des murs en cas où déjà. Ça va être ce qui est électrique, donc il va falloir que je rajoute, que je rapporte plutôt du câblage électrique et comme ça je vais pouvoir mettre la tour de défense. Là je peux pas, ok bah je mettrai des murs sur les. Enfin, est-ce que je peux mettre un mur ici? Il y a un obstacle, mais je pense que c'est mon aigle. Et après, je rajouterai sur le côté. Voilà, alors attendez, hop. Voilà, c'est dit. Non, ça a pas l'air de bien vouloir se poser par contre. Il faudra vraiment que j'organise ma base de façon à ce qu'elle soit fermée quand même. Voilà, donc on va pouvoir faire déjà une petite prise électrique avec un câblage électrique. Je vais en faire un de chaque au cas où, je sais pas trop comment ça va se passer pour pour le positionnement. Donc voilà, comme ça je suis tranquille. Ça c'est bon. Je peux récupérer tout ça. Hop. Donc, on va refaire du coup quelques toits, c'est surtout ça, quelques plafonds. 1, 2, 3, 4. 4, ça me paraît pas mal. Je vais faire tac sur le côté, donc il m'en faut un cinquième aussi. Voilà. Et donc après, ce sera des murs petit à petit. Mais là, déjà, au moins, la base, je vais pouvoir mettre les deux tourelles. J'ai pas mal de balles dedans. Là, j'ai 200 balles. Est-ce que j'en avais plus? Non, j'avais tout récupéré ici. Hein. Ok. Voilà. Donc j'ai de quoi faire l'électricité. Il me reste encore deux piliers. Il faudra que j'en fasse sûrement un peu plus. Mais ça, je vais pouvoir le faire là-bas directement. Donc c'est pas très grave. Donc ça, c'est bon. La prise électrique, ok, très bien. Au passage, je vais détruire mon ancienne toute petite base que j'avais fait avec des forges dedans. Donc elle s'est fait raider depuis longtemps. Mais la structure est encore intacte. Ça va me permettre, voilà, de tout détruire et de récupérer comme ça des lingots de métal. Voilà, vraiment en bonne quantité. Ça va me permettre bah, de reconstruire des murs, des fondations, tout ça pour la nouvelle base. Donc c'est parfait. Je vais essayer d'être pas vite trop lourd parce que je vais vite être chargé avec tout ça. Voilà, là on récupère 11 à chaque fois. Ah, ça attaque. Qu'est-ce qui attaque? Un truc qui empoisonne, j'arrive pas à voir ce que c'est. Ah, c'est un scorpion, d'accord. Ok. Bon, j'irai récupérer après, on va remonter. On fera ça de jour, ce sera plus sympa. Alors, j'ai combien? J'ai récupéré combien? 74 en métal. Ok, très bien. Retour à la base, de nuit c'est vraiment magnifique, hein. Le volcan, il est somptueux. Ok, très bien. Allez, on va se placer par là. Et je vais pouvoir continuer, hop, normalement, de placer mes toits. Alors voilà, désolé, c'est pas facile à ranger, un petit Argentavis. Alors, où est-ce que je peux mettre des structures? Là, c'est bon. Donc on avait dit sur le côté là, derrière. Tac. Voilà. Ok, nickel. Donc ça, c'est tout bon. Ensuite, on va récupérer un peu tout ce qui est métal. On va pouvoir placer l'atelier. On va le mettre là, par exemple. Allez, hop, très bien. Comme ça, dedans, je mets tout ce qui est métal et ciment. Structure. Donc, il va falloir un mur supplémentaire. Et je vais commencer à placer. Alors, un toit supplémentaire également. Voilà. Et on va placer bah, la défense. Donc, c'est parti. Il faut commencer par faire. Hop. Il manque des trucs. J'avais des murs. Alors, à moins que je les ai mis dans mon Argentavis.
Où est-ce que j'ai mis? J'avais 3, 3, 4... Bah non, je les ai déjà placés mes murs, c'est vrai, c'est ma faute. Faut que je les refasse. Hop, je les ai placés parce que j'aime pas me balader avec ça. Si je meurs et qu'on me les vole d'un coup, ce serait très bête. Ok, tac, structure, mur, donc encore 3 autres. 1, 2, 3. Ok. Très bien, parfait. Donc, pour la défense, on a dit, donc ici un mur, tac, ici un mur. Ok, un autre mur en hauteur, là également. Ici un petit toit, très bien. Comme ça, on met le générateur ici. Voilà. Avec à l'intérieur les sangs de pétrole qui sont, enfin d'essence qui sont là-dedans normalement. Voilà, je vais prendre les balles également. C'est parti. Allumé, ça c'est très bien. Donc ensuite, première tourelle. Alors non, il faut que je mette les câblages. Je vais mettre le câblage vers l'intérieur, comme ça restera protégé. Hop. Voilà, ça c'est bon. Donc première tourelle, on va la mettre là-haut pour commencer. Hop. Alors, pas de point d'accroche. Ici, c'est bon, ça le fait. Parce que des fois, il faudra à mon avis que je rajoute des fois des piliers pour que je puisse placer des choses. Allez. Où est-ce qu'elle est? Pour l'instant, elle est là. Tac. Voilà, la tourelle est placée. Nickel. Il me faudrait en fait un petite échelle peut-être. Ou alors, prenons le risque. Hop, alors non, prenons pas de risque. On va d'abord, avant de prendre des risques, placer des sacs de couchage pour remonter. Sinon, ce serait très dangereux. Si je tombe pour remonter, ce serait galère. Voilà, hop, sac de couchage numéro 1 et numéro 2. Ok, donc je veux monter là-haut. Hop, si j'appuie sur E, peut-être qu'en sautant, voilà, j'ai bien fait. J'ai vraiment très bien fait de faire des lits. Bon, après, là, je suis assez. Il peut venir me chercher. Bon, au final, j'ai fait une échelle, c'est plus facile. Donc, pour l'instant, hop. Ouais, ça va monter là, comme ça. Hop. Je l'ai mise à l'envers, je crois. Ramasser. Hop, voilà. Donc. Vas-y, viens. Ça veut pas. Là, je crois que c'est bon. Monter. Ok. Donc c'est parti, allumé. À l'intérieur pour l'instant, je mets toutes les balles pour le moment. Voilà. Et ciblage, ok. Portée élevée. Très bien. Donc ça, c'est bon. Voilà, du coup, j'ai récupéré à peu près, je pense, 200 de métal. Oui, voilà, un petit peu plus. En détruisant la base, du coup, mon ancienne base en bas du volcan. Donc ça va me permettre déjà de faire des murs et de placer la deuxième tourelle. Donc c'est parti. Structure. Donc il va me falloir un plafond et le reste que des murs. 9 murs. Ouais, allez, c'est parti, c'est ce qu'il faut. Voilà, comme ça c'est bon. Quoique 9 murs, non, on va en annuler 5. Hop, parce que si jamais j'ai besoin de faire des tourelles, des piliers supplémentaires, il va falloir que je les mette, il va falloir que je les crafte. Donc là c'est bon, ok. Je vais mettre en gamma 3 parce que comme ça on y verra mieux. Ok, ça c'est bon. Ensuite, le plafond. Ok. Est-ce que j'ai de quoi faire encore une échelle? J'ai pas l'impression d'avoir de bois. Il me manque 4 de bois. Ok, parfait. Une petite échelle. Comme ça, je place la tourelle automatique et il y en a deux qui défendent. Ça peut être un peu mieux. Hop, voilà. Oh non! Oula, vite! Vite, vite, vite. Ramasser. J'avais pas vu que j'avais mal mis. Hop, voilà, là ce sera mieux, ok. L'échelle, voilà, ici, monter. Deuxième tourelle automatique, voilà, allumée. Pour l'instant, je vais lui mettre la moitié des balles de l'autre tourelle, mais au final, après, ce sera du moite-moite. Hop, faut que j'en mette une centaine, ça suffira. Et après, j'en remettrai bien d'autres, j'irai en chercher d'autres dans la base principale. Voilà, ça c'est bon, pareil, portée moyenne, élevée. Donc ça en est bon. Ensuite, bon, je peux mettre les murs finalement. Donc là j'en ai combien? Structure, métal, mur. Allez, cette fois-ci j'en fais 4, ça c'est bon. Je vais pouvoir récupérer, il y a déjà pas mal de métal de près, je pense, pour faire encore des murs supplémentaires. Là, c'est mon aigle qui me gêne.
Voilà. Ok, voilà donc où en est ma base pour le moment. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'aigle, je vais reprendre pour l'instant tout ce qui est les lingots, etc. Et je vais aller rentrer dans la base principale pour me protéger. Ensuite, après, je reviendrai, on fermera totalement la base. Il faudra évidemment l'agrandir, ajouter un centre d'usinage, tout ça. Il y aura pas mal de choses à faire. Mais à la fin, je pense qu'on peut être vraiment pas mal. L'avantage, c'est vraiment la proximité avec le volcan qui permettra petit à petit d'avoir vraiment énormément de métal à disposition. Ça va vraiment être le but. Mais voilà. Là au moins j'ai bien avancé, la base est fixe, il y a deux tourelles de défense et après, bon, vu qu'elle reste ouverte, bon les gens peuvent détruire la base s'ils veulent en se disant ouais c'est la tribu YouTube, on va les détruire. Mais voilà, il n'y a aucun intérêt puisqu'il n'y a rien dedans et on voit qu'elle est ouverte, donc à la limite, voilà, sauf si les gens veulent s'approcher des forges, ils vont perdre vraiment beaucoup de métal pour rien. On va juste mettre, allez, des petit plafond juste pour mettre en fait au-dessus de la prise électrique. Ah bah non, je vais pas pouvoir, ce sera pas du tout au-dessus, bon c'est pas grave, on va juste mettre deux plafonds comme ça, ce sera fait. Voilà, ça c'est bon, donc plafond ici et là, voilà, très très bien, parfait. Ok, bon bah allez hop, moi retour à la base, un peu plus en sécurité, mais là déjà voilà, j'ai mon volcan. Et j'ai ma petite base qui est quand même bien sympa. Et puis au final assez, bon, assez grande, hein, mais pour recommencer c'est déjà pas mal du tout. Allez, c'est parti. Non, je vais pas du bon sens. Ok, et ben merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite. J'espère que ma base tiendra encore debout. Et si c'est le cas, on la continuera. Salut !